Yo! Salut et bienvenue dans l'épisode 46 de The Witcher. C'est toujours l'enfer ici, il fait beaucoup trop chaud donc je vais chercher à boire et je vous laisse en plan comme ça, rien à branler. Et salut Warbringer. Et salut. Alors, c'est orange, j'ai fait la musique, c'est Aja et Cosmosis. C'est difficile à trouver. A-J-J-A and Cosmosis, plutôt sur YouTube. Sinon, je vous dis vraiment, je peux trouver. Et pourtant, je les ai vus en live, figurez-vous. Bref, petit épisode de remplissage, on va aller récupérer du stuff de maître, essayer de compléter les sets d'armure. Et tout simplement. Allô, oui. Et puis ben, faire un peu des points d'interrogation au passage. Voilà, donc on va passer sur le son du jeu. Hop là, voilà. Ah, et donc j'ai le style. Franchement. Toujours le style. C'est trop le style là. L'épée de. Enfin, le truc de. Ah, alors, t'as mis une hache. Ouais. J'ai remis une hache parce que j'en ai droppé une, enfin j'en ai looté une qui était plus forte. Et j'ai tout. Enfin, non, j'ai les bottes et les gants de loup. Le bas pantalon noir qui est plus soft. Et le haut du chat, voilà, tout à fait. Le haut du chat, 2 mètres d'ailleurs. Et l'arbalète de chat aussi que j'ai chopé. Et une épée qui est très balèze. Alors je te laisse, c'est toi qui voulais avoir une meilleure épée en argent. En gros, voilà la différence. Tu vas l'avoir s'afficher. Disons que c'est un peu plus balèze. Voilà. J'ai aussi fabriqué celle-là, pleureuse, mais que je risque de vendre parce qu'en fait. Putain, tu perds 150. Oh la vache! Non, mais genre là, en fait, celle-ci, c'est pour le DPS et je l'ai foutu à fond en signe, intensité des signes. Ah, donc du coup, et peut-être. Avant de commencer, aller trouver un truc pour une potion pour remettre à tes signes, non? Pour ça remettre... peut être cool aussi. Ah, pour remettre c'est redistribuer tes points. Ah, oui. Alors, peut-être pas tout de suite. Je suis assez chaud pour continuer un petit peu comme ça. Et on verra, on trouvera une occasion. J'étais assez chaud pour Toussaint. Genre l'idée de redémarrer ou quoi. Ou à la fin du jeu, ou juste avant la fin du jeu. Je sais pas, j'aime bien le côté moite-moite qu'on a fait là. On fera d'accord. Ça peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça. En tout cas, on a un style bien bien cool. Je suis assez content. Et du coup, c'est très simple, on est en mode méga détente, là, on a école du chat, alors oui, le truc c'est qu'ils nous mettent les schémas pour l'épée, sauf que moi les épées, en réalité je m'en bats les couilles, du coup il y a plein de cartes au trésor que j'ai pas complétées. Bon, on va aller faire ça, on va aller faire celle-là. Et puis après, bah, on ira faire un peu vite tous les schémas de l'épée parce qu'on s'en fout et ça sera un prétexte pour aller trouver des points d'interrogation, donc comme je disais, et puis bah, d'essayer de faire un peu d'exploration. En tout cas, cassons-nous d'ici. Et allons botter les culs. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a aussi un point d'exclamation ici. Il faudra peut-être checker aussi, il faudra peut-être visiter un petit peu la zone là. Eh, dans Vélène, on finit par... bon, il y en a encore beaucoup, des points d'interrogation, mais... Et ça se nettoie. Ça se nettoie, ça sera gérable à un moment donné. Là, je crois qu'il nous demande d'aller à Skellige. Enfin, cela, j'y ai passé du temps à nettoyer. Ah ouais mais tu as fait tous les points d'interrogation, toi? Une grande partie. Ouais. Okay. Peut-être que j'ai laissé. Fouiller les ruines de l'auberge. Fouiller la surtout Skellige, en fait, que j'ai pas fait. Parce que les promenades en bateau, ça me gonflait. Bah, ouais, tu m'étonnes. Toutes les... Ouais, non. En plus, ouais, il y a des trucs qui sont méga chauds, quoi. Bon. Résolu à affronter Redin, Geralt ne pouvait pas... Oui, on sait. Détends-toi, nous, on veut de la bonne musique. Bon, et j'ai déjà en tête l'épisode numéro je sais pas combien, mais qui consistera à aller... Ah oui, d'ailleurs, quelle heure est-il? Il est okay. 19h15. Ce qui nous fait du environ 21h pour arrêter. Uh-huh. Oui, l'épisode Forniqué Mordicus qui sera un peu plus tard.
sait pas quand exactement. Parce que je sais pas si tu l'as fait toi, comment ça s'est terminé tes histoires d'amour ? Je suis parti avec Tris. D'accord. Ok, très bien, je comprends. Alors, du coup, on est dans le village ici. Attendez, j'ai reçu un truc. Lol. Comment elle essaie de me foutre le seum et Leo, elle me dit, toi, tu rates une asiate super chou. Ça marche bien. Je m'en fous. Des meufs bonnes, j'en baisse tous les jours dans The Witcher. D'ailleurs, il faudra qu'on repère où elle est la meuf stylée là, que j'aime bien. Parce qu'il y en a... Il faudra faire le bilan d'ailleurs. En fait, l'épisode Fornic et Mordicus, je t'explique. Il faudra que je localise bien deux cibles bien spéciales. Et qu'on épure. Et qu'avant cela, une fois que je vois un peu comment ça se profile. Il faudra qu'on regarde sur internet toutes les personnes qu'on peut baiser, qu'on s'assure qu'on a tout fait. Et voilà, ce sera notre objectif. Ah, Skellige, ça fait du bien. Monter un peu le son ici, pour moi. Hop. Voilà, des Necker. Mon dieu, Necker, vos mères. Attends, je peux me battre contre eux, là. Ouais. Ouais. Ok, on est beaucoup trop fort. Bon, faudra pas hésiter. Hein. De quoi ? C'est niveau 12 en même temps, ils sont actifs. Bah ouais, mais faudra pas hésiter à se foutre un peu à poil des fois quand même, parce que si on est comme ça tout du long, ça sera triste. Bon. Alors, les deux premiers, n'empêche, je leur ai coupé la tête, là, direct. Ils ont rien compris. On y va. C'est le phare là-bas là ? Je le reconnais pas sous cet angle. Enfin, ce qui est clair, c'est que c'est un phare, oui, mais le phare, je veux dire. Ah, il y a des sirènes là. Ah. Et il y a des trésors cachés, a priori. Waouh ! Haha ! Lol. Mandat d'arrêt à l'encontre du sorceleur Gerd. Je déclare par la présente que le soleur qui se fait appeler Gerd s'est rendu coupable de crimes odieux envers la tiare ducale, à savoir insultes proférées envers sa gracieuse altesse, résistance à la... Oh putain, de l'eau qui coule partout. Ducale, collusion avec l'usurpateur et autres torts commis envers la tiare ducale. Est-ce qu'il parle de Toussaint là ? Le duc de Toussaint ? Je sais pas. Attends. Toute personne qui lui fournit asile sera considérée comme complice de ses crimes. Le devoir de chaque sujet de la tiare ducale consiste à fournir toute l'aide possible aux forces de l'ordre en vue de la capture d'Udi Brigand. Putain, d'Udi, c'est en un seul mot. Ah, ça fait du bien. Versement d'une prime. Ah merde, j'étais sur la place et j'ai oublié de changer mon fric. J'ai oublié de changer mon fric. Bon, au pire, c'est pas grave, ça fera de la... des trucs plus tard. Hierominus, tout ça, je crois que c'est fait. Alors, du loup. Utilisez vos sens de sorceleur.
De l'école du loup, encore téléportation. Ouais, bon, voilà, c'était ça qu'il fallait trouver. Note d'un aubergiste. Équipement de l'école de l'ours. Bah voilà, c'est ça. Fouiller la caverne des sirènes, qui est à 3000 mètres, d'accord. Bon, c'est ça. Ok. Là, on est bien. Bim! T'as le dernier coup, il était beau là. C'était le dernier coup splendide quoi. Putain, et la lumière commence à s'activer. Déglinguer! Genre la petite arbalète qui fait qu'elle tombe pile devant moi, ah, je lui donne un coup et le Hirden en même temps, je pop toute la vie d'un coup. Mais en même temps, mon épée, c'est mon épée là qui est, beaucoup trop, qui est beaucoup trop violente. Autant l'armure en soi, que je prenne pas beaucoup de dégâts, je pense que c'est pas si gênant et frustrant. Par contre, que l'épée les nique en deux secondes comme ça... Bon, enfin, je veux dire, les sacs à PV, c'est relou aussi, mais là, c'est n'importe quoi. Trésor caché. Oui, j'ai trouvé le trésor caché, avec une lettre. Fortune familiale. Eh bien, allons-y. Dans l'épave. Allons-y. Surtout que en fait là le nid de monstre on l'a pas complètement. Normalement c'est un lieu abandonné, on devrait avoir une cutscene avec les mecs qui reviennent, mais ça n'est pas le cas. Ah l'épave c'est ça là. Putain cool. Stylé. Allez, petite ambiance, exploration, point d'interrogation, on profite du jeu sans trop. Enfin avec des objectifs qu'on se met nous-mêmes. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec The Witcher, bon comme la plupart des RPG bien entendu, mais là avec un niveau comment dire d'équilibre en fait, un équilibrage. Excellent sur ce thème. Le fait qu'il y a des missions imposées, mais aussi des missions que le joueur peut se donner à lui-même, c'est très réussi. C'est ça le trésor. Ok. C'est tout, vraiment. C'est un peu décevant. Bon. Au moins, c'est pas à Perpète les oies. Là-bas, il y a du nerprin, on dirait. On s'en fout. J'avais aussi trouvé chez... Je crois que c'était la meuf de pas Valtiel, de Perchefreux.
Elle avait, je crois qu'elle vendait... Ah non, c'était le mec qui vend les épées. Il vendait là une arbalète, qui s'appelait juste Arbalète, et qui était un peu moins forte que ce qu'on a, mais elle avait un skin apparemment assez stylé, donc je serais bien curieux de voir ce qu'elle donne en vrai. Voilà, c'est tout. Donc plus tard, quand on ira voir... comment il s'appelle déjà ce mec, il a un nom de... Oui, c'est le... C'est le nom du... Du mec japonais, là. Merde... Putain. Je veux pas t'aider, je retire pas les dents. Le forgeron Jap... putain, ça va me revenir. Aya, c'est pas Ayao. Putain. Regarde, tape forgeron japonais et tu vas trouver direct. C'est... Attends, putain. Non, il faut que je retrouve. Merde, merde, merde. Ça me frustre. Bannière de sirène. C'est ce qu'il me reste à faire. D'ailleurs, on a eu un contrat. Ah, voilà. Il y a un contrat qu'on n'a pas eu. Un contrat avec une Echidna, comme ça. Ah, c'est beau, on fait revenir les gens. Je suis très content de faire... Je crois que je l'ai. Non. De quoi? C'est ça. Tu veux savoir ou pas le nom, alors, du coup? Tu continues à chercher. Bonne question. Non, je veux trouver. Donne-moi la première lettre. Un H. Un H, voilà, j'ai été sûr. Du coup, la deuxième, c'est un A. Ouais. Ma collection de plantes pourrait-elle vous intéresser? Ah putain. J'hésite après, je crois que c'est un R. Non. Non, ok, tu me dis pas. C'est... Si je devine, tu dis oui, mais sinon, tu dis non. Dans ce cas, c'est peut-être un Z. J'hésite entre les deux. Aucun des deux? H, A. Il n'y a pas de Z après, non. Non? Ah merde. Non. Mais c'est ça en tout cas, c'est sûr. C'est celui que t'as trouvé. Pourquoi pas? Montrez toujours. Merde, putain, elle est ma mémoire. Attends, mais ils vendent des trucs cool. Viens, on fait un peu d'alchimie. Alors. Allez, vas-y. Putain, bah là ça revient pas. Alors, des huiles. On peut faire des huiles supérieures. Est-ce qu'il en reste une en améliorée? Non. On peut faire des potions. Alors, il y a plein de décoctions qu'on peut faire. On pourrait les faire, d'ailleurs. Toutes celles-là. On pourrait s'amuser à faire toutes les décoctions. Mais bon. Sinon, il y a filtre de pétri. Pleine lune supérieure. Filtre de pétri amélioré, on a presque tout ce qu'il faut, il faut juste une boisson là. Ah, il nous manque un fruit de la balise, ou je crois là. Mifune, c'est le mec qui se sert de cette... enfin, qui, je crois que c'est dans la même histoire que ce forgeron là, enfin que le gars qui fait les épées. Mifune... Et le mec s'appelle Tori Anzo. Boum! C'est ça. C'est revenu. À Tori. Un moment comme ça pop. Pop, pop, pop. Bon, je vais faire des mutagènes en espérant qu'une putain de... Mais toujours pas en plus, hein. Les mutagènes rouges, c'est pas possible, quoi. C'est fou, quoi. J'ai pas foutu d'en faire deux depuis 100 heures de jeu, quoi. Deux mutagènes rouges supérieurs. Incroyable. Ah! Si, si, c'est bon. Je vais pouvoir, en fait. Adieu. Hein?
Je vais pouvoir... Tac. Tac, 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 tac. Allez, bug. Voilà. Oui. Ah non. Quoi? Ah merde, mais il me le considère quand même. Ah, j'avais pas compris ça. Ah non. Ah non. Ouais, mais non, mais genre, mais pas du tout, en fait. J'ai complètement rêvé, j'ai complètement fumé, là. D'accord. Genre, pas du tout. Ok. Bon, ben, j'ai fumé. Ben, ok, mec, voilà. Dans ce cas, personnage, on le remet. Mais c'est pas bien grave. Plus tard, on pourra faire des trucs cool. Il me tarde tellement Blood and Wine, mec, tu vas halluciner comment, mais c'est The Witch Arcade, quoi, tu vois, c'est ça le truc. C'est pas du tout comme on s'attend à un DLC, quoi. Bon, après, je veux pas le survendre, de toute manière, faut que tu le vois comme une, voilà, une extension, quoi. Mais. Enfin, que tu le mettes en relation avec tous les DLC que t'as fait dans ta vie et que tu poses la question, quoi. Parce que, franchement, c'est n'importe quoi. Bon. Pourquoi il est plus là, le mec? Putain, le. C'est beau ici, là, avec cette musique encore. Ma collection de plantes pourrait-elle vous intéresser? Mais oui, mec. Pourquoi pas? Montrez toujours. Hop là, je remets mon siège. Tu sais, j'ai sur mon siège, j'ai un petit coussinet là que tu peux normalement régler la hauteur. Et là, il s'est pété. Du coup, il est toujours en bas. Et c'est chiant. Faudrait que je bricole des ficelles ou je sais pas quoi, c'est un peu chiant. Du coup, mec, oui, alors, alchimie, nous disions... Je suis assez chaud pour faire toutes les décoctions, là. Ou alors les huiles, qu'on soit vraiment, mais... Là, déjà, on a toutes les huiles en améliorées. Ça, c'est sûr. Et toutes les huiles en supérieur, elles sont chaudes à faire, hein. En vrai, si on veut partir là-dessus, c'est plutôt chaud. Alors que les décoctions, c'est plutôt easy. Ah, mais il y a des... Ah putain, il y a des décoctions qui demandent des mutagènes rouges. S'il faut comme un con, j'ai pas fait gaffe. Et genre, j'en avais dépensé, je pense pas, ça m'étonnerait. Mais... Filtre de pétri amélioré, ben maintenant on peut faire, voilà, je te remercie. Et filtre de pétri supérieur. On a ça, ok. Substance alchimique, ouais, ben non. Hein, Alors, tu préfères quoi, qu'on fasse les décoctions ou les huiles? En soi, en termes de gameplay, les huiles apportent plus de choses. Les huiles sont intéressantes quand même. Bah non, sont intéressantes en termes de dégâts, mais je me suis planté dans ma phrase. Je veux dire, les potions sont plus intéressantes justement. Si on veut, d'ailleurs, si on veut avoir une bonne connaissance des décoctions et tout, avant d'arriver à Toussaint, on pourrait se dire qu'en arrivant à Toussaint, on réorganise les points avec. Avec genre trois trucs spécialement pour l'alchimie, tu vois. Donc je sais pas, voyons, lisons les trucs. Décoction d'Arachas réduit les dégâts en fonction de l'armure et du poids des objets dans l'inventaire. Plus l'inventaire et l'armure sont légers, plus la quantité de dégâts est importante. C'est à dire que ouais, les trucs lourds, genre armure de l'ours de maître, ah, tu dégâts, quoi. Elle est super balèze du coup. Décoction d'archigriffon. Si vous disposez de vigueur, les attaques puissantes la consomment entièrement et réduisent la vitalité de l'adversaire frappé de 5% après le calcul des dégâts normaux. Bon, en fait... Ah, en fait, la vigueur est utilisée pour les attaques puissantes. C'est du délire, hein, n'empêche toutes ces décoctions, ça part complètement en couille, ça fait des trucs... Ah, tu peux faire des trucs de ouf, hein. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment, si tu joues un putain de trash et que t'es à la limite et que tu t'en sors pas, une décoction, ça peut éventuellement ouais, te sortir, enfin, te faire avoir un truc super rentable, super opti par rapport à certains patterns de monstres et tout. Enfin, d'ailleurs, je pars du principe que c'est censé t'aider contre le monstre en question, genre décoction de basilic. Applique une amélioration qui augmente l'intensité. Ah non, l'intensité d'un signe choisi au hasard, au crépuscule et à l'aube, dure plus longtemps que les autres potions mutagènes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est n'importe quoi. Bon, tu sais quoi, j'ai envie de les faire celles-là. Comme ça, elles seront plus affichées ici. Et, et genre, on aura dans l'inventaire. Voilà. Ok.
Bon, celle-ci, crépuscule et aube, c'est intéressant. Ah, augmente l'intensité des signes par temps nuageux pour décoction de brumelin. Mais en plus, c'est trop cool parce que du coup, t'as plein de potions super chelou et tu te dis... genre, t'arrives devant une situation, tu fais « Ah putain, il y avait une potion qui serait pas mal là. » Hop, tu vas juste dans l'inventaire. Tu l'as pas direct sur toi, parce que, évidemment, parce qu'elles sont 50 millions. Mais tu vas dans l'inventaire et hop. Truc d'élémentaire. Augmente la résistance du sorceleur aux effets critiques, réduisant la vitalité subie pendant le combat. Le niveau de résistance augmente avec la durée d'application de l'effet critique. Ouais, d'accord. Augmente les dégâts critiques infligés par des attaques dans le dos. Décoction de Doppler. Putain, c'est où ça? Ah, par contre, il nous faut un mutagène de Doppler, que je n'ai pas. Ah ah! Putain. Parce qu'il faut... Pas facile de trouver des Dopplers. Bah ouais. Ouais, le truc, c'est qu'on a... On aurait certainement eu la possibilité d'en buter, mais... De Fielon, augmente la charge pouvant être transportée par le sorceleur sans être encombré. C'est trop bien, ça. Ça peut te sauver quand t'as plein de trucs sur toi. C'est trop bien, putain. Tu bois cette potion quand t'as plein de... Quand t'as plein d'équipements et que tu peux plus transporter alors que t'as des trucs super cool. Et ça t'empêche de marcher. C'est trop bien ça, putain. Franchement, t'as des trucs, puis ça s'applique partout, quoi. C'est ça qui est ouf. Que je trouve complètement délirant. Bon, les sablines, je les achète toutes. Ça, ok. Ah, l'alchimie. On pourrait passer des heures dans ces menus, là. Décoction d'Arachas, on avait dit... Ouais, ça c'est un peu bizarre quand même. Décoction de Fielon, voilà. Ça c'est vraiment bien ça. Décoction de Fouenard. Bah tiens, peut-être que ce sera bien pour... vu que c'est une bête que tu aimes bien. La combinaison d'attaques différentes. Attaque rapide puissante confère un bonus augmentant la puissance de prochaine attaque. Ouh, c'est bien ça. Ou l'intensité du prochain signe. Putain, c'est ouf. C'est trop bien ça aussi. Mon dieu. C'est vachement intéressant parce que c'est des trucs qui te poussent à faire des gameplays différents, tu vois. Et ça, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. C'est comme... Ça définit un peu un style de jeu, quoi. Et comme les combats, effectivement, bah, finissent par être... c'est pas que ça tourne en rond, parce qu'en soi, il y a tellement de trucs qu'on s'ennuie jamais. Enfin, moi, j'arrive pas à m'ennuyer, mais c'est vrai que le système de combat devient la même chose, quoi. Donc, surtout si on est comme nous, là, on n'a pas trop renouvelé... Tu vois, si tu fais full personnage signe, et ben déjà t'as tous les signes alternatifs et ça te donne déjà en termes de gameplay beaucoup plus de choses à faire, ce que j'avais fait moi hein, dans mes premières parties. Mais néanmoins, le boost en attaque, comme tu me l'avais conseillé, nous a apporté un truc, c'est cette attaque en pressant carré, qui est trop bien. Et je suis content, j'arrive à la manipuler de mieux en mieux, c'est trop bien. Chaque ennemi tué accélère le regain de vitalité jusqu'au terme de l'affrontement. Guenaud sépulcral. Parce que même en combat, en fait, il y a un regain de vitalité normal, d'office. Ça m'étonne, ça. Je sais plus. Ou alors il est putain de lent, on le voit pas, quoi, mais... Ouais. Guerrier Necker. Les montures ne paniquent jamais. Plus 50% aux dégâts en combat monté. C'est vraiment bien, ça. C'est en cheval, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est genre... ouais, putain, c'est trop bien. Si tu vois que t'es à cheval et que t'arrives face à un truc de bandit, hop, tu fais un inventaire. N'hésite pas, si des fois t'as des idées, que t'as une décoction qui te revient à l'esprit, à me le dire, comme ça, j'ai envie qu'on se force un peu à les utiliser, ça y est, que ce soit vraiment cool. Ça nous conditionne, tu vois, genre, vu que maintenant on est super balèze, ben, au moins, on a des défis, quoi. Yes. Entre guillemets. Augmente les chances de coups critiques. Décoction de Katakan, boum. C'est trop bien aussi. De base, en termes comme de ça, dégâts. Cadeau. Ah ouais, non mais lui, il est violent là, putain. Elles ont toutes une intoxication à 70. Hein. Une partie des dégâts infligés par leur ennemi leur est renvoyée. Décoction de l'échaine. Tu peux cumuler les décoctions ensemble? Ouais, mais ça te bouffe la gueule, quoi. Décoction de l'échaine. La décoction de l'échaine avec celle qui t'augmente ta résistance avec ton armure lourde. T'as plus qu'à rester là, à te faire taper dessus, et le mec il va crever, quoi. Ouais, c'est quasiment le même effet qu'un Quen, quoi. Qu'un Quen boule. La bouboule. Je sais pas si... Tu l'avais, du coup, l'alternatif de Quen dans ta partie, toi? Non, moi j'ai très peu utilisé les sorts. Bon, bah voilà. T'as vu un peu le délire avec la vie, là, que ça donne? Ouais, j'ai vu ça. C'est... Tu vois, t'es en mode... Ah bah, en fait, les potions, c'est pas tout, quoi. Genre, maintenant, j'ai plus de potions, bah, j'ai quand même moyen, tu vois, en jouant le jeu du Quen.
Sachant qu'il ouais. faut faire gaffe au pattern des ennemis, parce que quand souvent ils ont une attaque forte, une attaque faible, un truc comme ça, et les attaques fortes pour les monstres un peu gros, bah, ça peut niquer Quen. Et en fait, si, en fait tu vois, c'est vachement intéressant, je pense que tu l'as capté, mais c'est la barre de vigueur. C'est comme la barre de vie de la boule de Quen, en fait. Et en fait, s'il te donne par exemple un coup qui enlève un tiers, il te donne un coup, deux coups, trois coups, et là, la barre de vie est tombée à zéro, mais ça n'a pas été au-delà. Du coup, ça a enlevé trois tiers juste. Du coup, ça touche pas à ta vie. Par contre, si le mec tape un peu plus fort qu'un tiers, il fait un tiers, un autre tiers plus, là, et bah, du coup, ça fait plus que 100% de la barre de vie, de la barre de vigueur. Du coup, ça altère ta vie. Et il faut calculer ça, genre, si par exemple tu fais la boule de Quen et tu sais qu'elle peut encaisser une grosse attaque, par exemple d'une Rachas qui te saute dessus ou je sais pas quoi, et ben si par malheur, et ça peut arriver en combat, genre par malheur tu fais ça en te préparant qu'elle te saute dessus, en étant un peu éloigné, et là hop, t'as une Rachas de derrière qui sort, qui donne un petit coup, qui fait que la barre de ton Quen est un peu niquée, ce qui fait que l'autre va t'attaquer, et en fait ça va dépasser la barre de vie, la barre de vigueur, et du coup altérer ta vie, et pour peu que tu n'avais plus de vie, et ben en fait le truc peut aller très vite à te niquer, quoi. Enfin, bref, je trouve ça super intéressant, cette utilisation de Quen. C'est comme une... C'est précis, comme utilisation. Ouais, puis c'est un bouclier qui est une barre de vie, en fait. Et juste en termes de game design, c'est vachement intéressant, je trouve. Voilà, c'est une très bonne idée de gestion du truc. Chaque signe lancé, sachant que cette barre de vie, elle est aussi régie par d'autres choses, et d'autres pouvoirs, et d'autres trucs, et qu'elle doit monter, machin. Et il y a un truc encore plus ouf, mec. C'est qu'après, tu peux améliorer Quen, et quand ils tapent dedans, ça te remonte de la vie, mais ça leur fait des dégâts. Se trouve. Et là, actuellement, avec le chahuant de ouf qu'on a, et ben en vrai, ça remonte. Et du coup, il me semble que ouais, ça remonte. Et du coup, tu peux tenir la boule pendant super longtemps face à des petits ennemis. Genre, ils te donnent un coup, ça altère la vie, mais ça altère l'endurance. Sauf qu'elle remonte grâce à ton chahuant. Et pendant tout ce temps, le mec il frappe, et en plus, de toute manière, il te remonte ta vie. Et il se bute lui. Tu peux buter des petits ennemis juste comme ça, juste avec Quen. Hein. Genre plus tard on retournera à Velen, tu verras, c'est n'importe quoi. Bref, c'est genre beaucoup trop puissant, quoi. Le mage trop balèze qui fait se suicider les ennemis sur lui. Frappez-moi. Ouais. Ouais, non, enfin bref. Le côté style de personnage que tu peux créer, c'est vraiment génial, quoi. Parce que toi, du coup, t'as créé vraiment un chevalier, un corps à corps, un mec épéiste, balèze, et que tu peux du coup créer de l'alternatif et devenir un peu druidique avec le côté alchimie, et encore, t'as tous les trucs qu'on utilise plus du tout, là, mais les autres trucs, là, je sais plus comment ils appellent ça, spécial. Bon, j'arrête de parler des coquillons de l'échêne en chier, des coquillons de l'échêne ancien. Chaque signe lancé augmente le regain de vigueur pour toute la durée du combat. Waouh! C'est beaucoup trop ouf, putain! T'imagines, mais ça, il faut le faire contre des humains! Ça, contre des humains, c'est ouf! Parce que contre des humains, je fais beaucoup de signes. Et du coup, à chaque fois, ça augmente les points, donc ça fait que je les décapite et je fais des critiques à balles. Putain. Ça peut être complètement foufou, ça. La perte d'un tiers de la vitalité en un seul coup active le bouclier de Quen pour la prochaine attaque. Ça, c'est complètement barré. Franchement, c'est trop bizarre. Pour les ennemis très forts, ça peut être vraiment bien. Ouais. Allez, disons ok. Alors, spectre de midi. Réduit nettement la durée des effets de renversement, d'hypnose, machin, bon. Régénère la vitalité pendant et hors combat. Décoction de troll. Ok. Balance, mec. Décoction de chart confère une résistance totale à l'effet de chancellement, mais réduit l'effet de renversement à un effet de chancellement. What? Qu'est-ce que c'est barré, putain? Désolé pour ces bruits gutturaux. Pas de soucis. Ou buccaux. Bucolique! Ouais, bref, c'est complètement barré. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, du coup. Bon, il y a Orc. Il nous faut encore des fruits de la balise, là, mes couilles. Filtre de pétri supérieur, en soi, on pourrait la faire pour la virer.
Comme ça, on a toutes les potions en supérieur. Bof, non, remarque, on est parti dans la logique ici plutôt. Alors, cette fois, on va regarder aussi ce qu'on ne peut pas faire a priori. Ou putain, tous les. Putain! Augmente les dégâts infligés et réduit les dégâts subis face au spectre. Décoction de soulageur. C'était le monstre qui était au phare, je crois. Le soulageur, c'était lui, non? Peut-être pas. Pardon, désolé. Pas de soucis. On n'a pas encore de mujeres sur le vocal. Du coup, je me permets cette masculinité effrontée. Chaque ennemi tué accélère le regain de vitalité jusqu'au terme de l'affrontement. Décoction de soulageur, il demande trop de mutagènes de merde et c'est chiant. Réduit nettement la durée des effets de machin. Bon bah tant qu'on peut, de toute façon je fais. En fait je vais faire tous les verres, on va même pas réfléchir. Augmente les dégâts infligés, ouais non ça on a dit non. Ça je ne l'ai pas. Le Doppler. Décoction d'élémentaire, il me manque un fruit de la balise que je n'ai pas. Décoction d'Echidna. Consommant la vigueur, votre vitalité est restaurée. Attends, what? What? Mais comment c'est trop cool ça aussi? Mais c'est des trucs tout cons, mais c'est trop bien, bordel. Allez, fruit là-bas, tu l'as en plus, c'est beau. Ah, ce bruit de fond que j'entends dans le micro là. C'est les ventilos, hein, vraiment. Désolé, mais là, ça souffle. Ça souffle fort. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, c'est bon là. Je froid au pied du coup. En faisant ça. Décoction d'Echidna. Alors, lorsque vous effectuez une action qui consomme de la vigueur, la vitalité augmente. C'est trop bien ça. Augmente la... Alors attends, oui, non, ça on a vu qu'on pouvait pas la faire. Archigriffon, on peut... Ça c'est trop bizarre par contre, je comprends rien à l'effet. Et Arachas. Putain mais en fait on a fait un paquet là. Et du coup, là il nous faut des mutagènes rouges, là il nous faut un fruit de la balise, là il nous faut un mutagène spécial de Doppler, et là plein de mutagènes complètement abusés, là, le soulageur. Ok. Bon allez, forêt de Maribor, on va essayer de la faire. Donc une mouche et un... c'est quoi la rouge là? Vermillon. Ok, une mouette. Donc deux mouettes, s'il vous plaît. On n'a pas deux mouettes. Fuck! Putain, cet alcool, mais c'est chiant, la mouette immaculée, avec ces alcools-là. Il l'a ou pas? Non, il l'a pas. Putain, je me fais toujours ken par ça, quoi. C'est pas possible, il faut passer dans tous les bars. En fait, les mecs, ils ont fait exprès, quoi. Ils ont fait exprès de faire un truc où on est obligé de passer dans les bars, quoi, pour prendre de la tease. Pour faire notre petit alchimiste, c'est le truc, à chaque fois on est ken, je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais en tout cas moi là ça me bloque. Hein. Bon bref, du coup voilà, ben, potion là du coup on peut pas, ah oui il y avait Blizzard. Lorsque vous terrassez un ennemi, le temps ralentit pendant une courte durée. Quand 3 points d'adrénaline sont disponibles, les actions ne réduisent pas la vigueur. Ça c'est fou ça. Ouais. On a une mouette, mais on n'a pas deux mouettes pour faire du rébi. Ah putain, il nous faut de l'alcool, c'est trop chiant. On va récupérer du myrte blanc, là, vu qu'on nous en demande. Putain de jeu d'alcoolique. Ah ouais, mais je suis sûr, ils ont fait exprès. C'est tellement le style, c'est tellement le genre, quoi. J'ai envie de presque de lui acheter tout, quoi, au mec, juste pour avoir... juste pour avoir les trucs. Ok... Alors, du coup, ok, pour les décoctions, ah, il y a le chat supérieur, pareil, il nous faut une, ouais, bah en fait, ils sont tous au même stade, du coup, là, où ils ont une moitié immaculée, mais il leur faut encore un truc alchimique, sauf lui, avec les fruits de la balise, orc, orc, c'est le niveau 1, d'ailleurs, qu'on n'a pas fait, putain, et lui, ouais, ils sont tous au même niveau, ici, d'accord, sauf, non, lui, il lui faut du gui, là, c'est du gui, ça.
je trouve ça assez ouf d'ailleurs qu'au bout d'un moment on finisse par reconnaître avec l'image que ah yes. C'est trop cool. C'est bien. Ça me fait faire un peu de botanique. Chose que je fais pas mal dans mon métier et c'est très intéressant, je trouve. Donc après, bah, les huiles, hein, on a toutes les huiles améliorées. Attends, mais les huiles supérieures, elles donnent plus 50% de dégâts. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Adieu. Eh bien. Bon, sortons de là. On a libéré tout le monde, on a récupéré un peu, voilà. Et là, point de téléportation. Qui nous emmène faire une mission? Ah non, parler à Avalar. Donc, excuse-moi, mec, mais on va dans les quêtes. Quelle secondeur. Ah, attends, on a des quêtes ici. Ouais, mais non, mais on avait dit non. On avait dit chasse au trésor. Du coup. Ah, c'est à Skellige le loup, par contre. Très bien. Il y a aussi un coffre ici. Bon, bah, on n'a qu'à changer d'animaux à chaque fois. Ouais, voilà. Ah, sauf qu'attends, non. Je crois que c'est juste pour... Ah si, c'est les gantelets, ouais. Gantelets, pantalons et tout, putain. Ah oui, bah c'est exactement ce qu'il me faut. Putain, mais c'est celle-là qu'il faut faire. Parfait. C'est pour avoir le loup de maître complet. Allez. Ouais. Putain, il me tarde tellement, je suis désolé, j'arrête pas de le dire, mais les équipements de grand maître, en fait, il y a une subtilité que je ne spoilerai pas et qui vraiment est ouf. Ouah, c'était trop bien! Oh, ils ont géré! Franchement, j'ai juste trop de respect quoi pour le truc. Je m'y suis cru. Oh la vache! Le mec, il m'a tapé derrière pendant que... Tu t'es fait bolosser! Genre, il a vu son pote exploser, il a fait « Vas-y, cueille derrière moi !» il t'a juste poussé un petit peu sur son pote. Ouais, c'est ça. On dirait trop qu'ils ont fait de la strat et que je me suis genre bien fait pigeonner, là. Le mec est content de mourir, quoi, qui aime beaucoup trop son jeu vidéo, quoi. Le mec, quand il perd Game Over, il fait « Oh, GG les mecs, putain wow. !»« Oh putain, ils sont trop bons ces mobs !» Beaucoup, beaucoup trop d'enthousiasme. Ah, un objet est tombé plus loin dans la pièce. Chakra, qu'est-ce que tu fais? Bon. Alors, la vengeance maintenant. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Alors, petite question, pourquoi choisir le petit Irden plutôt que le gros? Qu'est-ce que j'aime ce jeu? Mon dieu, c'est pas possible. C'est quoi ce bruit que j'entends là? Non, c'est pas vous là-bas, ouais. Vous êtes des loups. C'est ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ça a l'air gros, c'est un élémentaire. Une gargouille. Un pigeon enroué. Oh, il est là! Putain, je l'avais pas eu. Élémentaire ? Ouais. Eh ouais. Élémentaire de terre. Thank you.
Colosseum. Putain. C'est tellement cool cette arène qui fait autour de lui. Là 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 là. Bon, et donc tu gardes un trésor ou... Non non, le mec était comme ça, tranquille. Il avait l'air un peu perdu. Alors qu'est-ce que je fous là en fait? Ah oui voilà, aller chercher les gantelets. Ouais, c'est celui-là. Les gantelets. Ah, joli. Oh, tiens tiens, ça va te plaire. Yeah. Parfait, je crois. Ah tiens, un petit géant. C'est un petit peu opposé. C'est marrant, ça ressemble vachement au géant qu'il y avait à côté de la Wyvern. Ils se ressemblent tous un petit peu, non? Non, non, mais... Enfin, tu sais, dans un épisode précédent, je crois que t'étais, ah oui, t'étais oui, là, oui. On s'est retrouvés, si, il y avait les deux qui étaient vraiment en pas haut, loin. Il y a un géant en bas, c'est ça. C'est ça, ouais. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. J'avais pas vu la Wyvern, j'ai juste de la voir. Ouais. C'est un fouineur, en fait, mais... Mais ouais. Ouais. Mais ça ressemble, effectivement. Ouais, sauf que là, il y a un peu les bâtiments, mais ouais, ça m'a... À un moment, j'ai eu un bug, j'ai cru, j'étais... Mais c'était pas Vélène ou quoi? Enfin, genre, je suis trop bugué. Alors on est censé pouvoir monter ou what the fuck là? Peut-être une grotte pour rentrer? What the fuck, c'est quoi ce truc? Il se fout de moi! Il se fout de moi! Putain, on aurait pu le choper depuis tellement 1000 ans quoi! C'était quoi ce spot là? Bon. Ok. Bah écoute. Le truc c'est que elle est tout en haut. Et je sais pas trop, hein. On dirait pas qu'on puisse monter. Hein. Ouais, non. Hein. Ah putain, ce qui est lige. J'arrive. Tu sais quoi? Ça m'étonnerait, mais... Enfin, ça m'étonnerait connaissant un peu le bousin, mais j'aimerais bien que pas trop tard après la prochaine sortie de console, enfin la prochaine génération de console, qui... j'espère pas trop tarder non plus, même si c'est pas des grosses évolutions, moi c'est pas grave, nous proposer déjà quelque chose de plus avancé, là, ça m'intéresse.
J'espère pas trop longtemps après le début nous faire un petit remake top quali, proche de l'ultra PC. Ou proche de l'ultra PC, ouais, ça, je pense que c'est possible avec une prochaine génération, ça tombe à peu près bien. Ce serait cool, mais c'est des projets qui seraient sur Cyberpunk, donc compliqué. Mais par contre, une version ouais, avec plus de distance d'affichage et tout, puis avec ce que peut proposer le PC, avec de la 4K native, éventuellement, et bien là, ce serait de la version console de fou là. Tu parles de quoi là? De quoi? Tu parles de The Witcher? Oui. D'accord. On avance. Oui, bien sûr. Mais là, t'es sur PC là? Moi, je joue sur console là. Je suis sur PS4. T'es sur PS4 là? Ah bah, bien sûr, sinon tu m'aurais vu passer des milliards d'années dans les réglages et tout, parce qu'avec le stream en même temps, ce serait la galère quoi. Et que j'ai déjà fait j'ai déjà streamé The Witcher et tout, mais c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, j'ai pas le réflexe, moi tu vois The Witcher, je l'ai sur PC, alors du coup, pour moi, les gens jouent The Witcher sur PC quoi, tu vois. Ouais, je comprends, mais mon PC, dans un truc raisonnable, peut le faire tourner bien mieux que ça quoi. Mieux que la Play déjà. Si je stream pas. Parce que le stream ça bouffe au taquet ma carte graphique quoi. Donc c'est un peu délicat. T'as quoi comme carte graphique sur ton PC? J'ai une 1060. Pas 1000, 970 GTX. Plus vite. Un process 4700. T'as la même que moi je crois. Ah ouais. Un process 4700K je crois, ou 4750K, un truc comme ça. I7 donc et qu'est-ce qu'il y a aussi? Oh là. Je sais pas trop, la RAM je pourrais en avoir plus, j'espère en récupérer chez Carlito quand j'irai à Lyon là. Je suis à 8 et je pourrais passer à 16. Je crois que je suis à 8 ouais, et que c'est vraiment pas une RAM terrible et que ça devrait être plutôt pas mal je pense. Ou je suis à 16, ce serait pour 32, mais je pense pas, non. What? Allô? Allô? Je fais du bateau. Tisséo? Hissez la grand voile. Capitaine. Tu as raison, mon enfant. Je me suis trompé sur votre compte. Allons récupérer le point de téléportation ici, et ne nous cassons pas le cul à partir en bateau à 1800 mètres d'ici. Ah oui, mais on avait dit qu'on faisait des points d'interrogation. Bon, Zvorlag. On va aller à Zvorlag et essayer de trouver les points d'interrogation. S'il y en a. Bref, donc ouais, tout à l'heure je parlais de The Witcher en méga quali. Il l'est déjà, mais j'ai joué en 4K, pas en ultra, mais puis après moi je trouve le 60 FPS, on s'en bat un peu les couilles en fait sur The Witcher. Ouais. Franchement, enfin, je comprends. Ah, il tourne propre là. De quoi? Il tourne très propre là. Ouais, là ça va, mais c'est parce que puis après je le retouche aussi un petit peu et je pense que ça le rend plus. Ça le smoothies un petit peu, les contrastes en plus et tout. Yes. Et les couleurs surtout plus vivantes. Ça donne un certain dynamisme. Je dis pas que ça améliore de fou, mais ça donne une image qui bouge surtout, dans le sens où ça bouge mieux. C'est pas tant que à l'image, quand tu fais de la pose, les retouches bon, sont intéressantes, mais c'est surtout quand ça bouge. Bref, en tout cas, enfin je sais pas, je prends de manière vachement, spontanée et organique tout ce qui est retouche photo, là, avec le stream, et de retouche d'image, en fait. Et avec le temps, bon, ça fait un petit moment que je stream maintenant, et j'avoue que la retouche d'image, c'est un truc intéressant. Comment comprendre tous ces paramètres, là, contraste, luminosité, et voir leurs interactions entre eux. Enfin, il y a vraiment de quoi se former, quoi, sur le tas. La saturation, les effets de transparence. Le framerate, tout ça, ouais, tout le délire, c'est. Moi je trouve ça vachement intéressant. C'est pour ça que je stream.
Mais j'ai quand même un petit problème, c'est que j'ai le retour du stream qui me montre ce que vous voyez. Comme ça, j'ai l'image retouchée en direct. Mm-hmm. Et surtout, j'ai ce que vous voyez, c'est-à-dire s'il y a ma gueule affichée, je la vois aussi. Enfin, je vois où on en est quoi du stream. C'est mm-hmm. vraiment le retour stream. Et bon, je préfère jouer avec parce que c'est plus joli, mais la carte graphique a un peu du mal quand même à me le faire en sans délai quoi, pile en face de moi, là, boum, comme ça. En vrai, c'est un travail assez dur. On dirait pas comme ça, on dirait juste un. Ils appellent ça un écran, un affichage d'écran, mais mm-hmm. c'est plus que ça. Pauvre bandit, quoi, tu le laisses cramer comme ça. C'est. Je sais pas, c'est. Enfin bref, je me laisse tellement emporter quoi, par la mise en scène des combats et l'ambiance et le level design surtout. Le level design, comment on tombe sur des petites arènes, des petites ruines là. Oh, ça me rappelle, putain, ça me rappelle un moment, mais. À Toussaint, je peux te raconter en plus, c'est pas spoilant du tout, c'est vraiment un truc général. Mm-hmm. C'est. J'arrive en haut d'une espèce de colline, il fait super beau, c'est trop cool, enfin belle ambiance et tout. Musique très voilà, champêtre et tout, enfin plutôt pas guillerette mais genre positive quoi. Et puis ça se ralentit, on voit que le soleil commence un petit peu à descendre. Bon, on arrive au sommet de la colline, l'ambiance se fait de plus en plus, je sais pas, étonnamment austère. Et alors attends, c'est ici que je peux trouver, ouais. Et du coup, finalement, on arrive sur des murs qui forment en fait un espèce de labyrinthe où on passe avec Ablette dans des à gauche, à droite. Enfin, y a un petit enchaînement de murs, puis un petit espace un petit peu plus grand. Donc, je lâche Ablette et je marche à pied. Et je m'avance dans les murs qui se resserrent un petit peu. Et le côté vraiment labyrinthique en fait de truc, alors que c'est à ciel ouvert, hein, y a les murs blancs comme ça, un peu comme ici. Et finalement, à un angle, boum, je tombe sur un, comme les individus louches dans Novigrad, là, quelqu'un avec une capuche, et il y a un espèce de froissement dans l'air, de trucs trop bizarres, l'obscurité qui plonge d'un coup, et une explosion, la personne disparaît sous la cape, et la cape flotte et tombe sur le sol devant moi. C'est trop ouf. Et j'entends un cri de femme de ouf, et en fait c'était une Brooks, c'est-à-dire un espèce de vampire féminin. Alors je sais pas trop ce qu'on voit dans le jeu sans. Qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher le plus? Je crois qu'il y a des trucs dans le jeu là, à ce stade, qui peuvent se rapprocher des Brooks, mais voilà, c'est. C'est très rapide, ça fait des cris, enfin tu vois, c'est un monstre super cool.
Et bref, et donc trop trop stylé. Enfin, j'étais dans le labyrinthe comme ça, l'ambiance s'était faite de plus en plus de fin, des crescendo comme ça, chelou quoi. Et puis, pouf, je tombe sur un. On tombe tous les deux à l'angle, genre. Et puis, pouf, elle disparaît. C'est assez ouf comme rencontre quand même. Ouais, mais genre, mais, enfin, j'ai essayé de te le narrer un petit peu parce que c'était vraiment ça quoi, que j'ai ressenti quoi, en mode le vagabond qui. Enfin, le truc que tu pourrais raconter justement, tu vois, et un détour, ouais, un détour d'un mur. Enfin, ça fait vraiment du coup, ouais, aventure. Je ne trouve vraiment pas ce coffre. Ah, voilà, il suffit de demander. Sacré vent. Ok. Bon, bah c'est cool. Et boum, téléportation en 2 secondes. Très bien, ça c'est beau. Et j'ai vraiment besoin d'humidifier ma bouche. J'arrive. Ah, j'ai roté, j'ai fait un bruit d'ours, sauf que j'avais enlevé le micro. Ça fait comme ça. Lol. Bon, donc. Salut, village inconnu. Le mec n'est pas prêt. Oh oh, lol. Ça c'est quand même des dégâts quand tu l'achèves seul. Pas grand chose par contre. Tiens, là par exemple, c'était un bon exemple. Là, l'explosion a fait ultra mal, elle a fait toute la vie de mon bouclier, plus presque la moitié de ma vie. C'est aussi parce que j'ai du coup pas un bon équipement. Par contre, le Quen, lui, c'est ça qui est bien, c'est que le Quen, il est pas régi par tout ça, par le niveau du stuff. Il a son propre système de niveau et d'amélioration, lui. La musique qu'il y a sur cette île, c'est l'austérité. Hein. Moi, j'ai un peu peur là. J'ai les genoux qui claquent. Vous m'excuserez.
École du loup. Je dois jeter un œil aux alentours. Est-ce que t'avais le set de l'école du loup quand t'as joué, toi? Le griffon, je crois. Non, non, mais je veux dire, est-ce qu'il était dispo dans le jeu? Tu pouvais aller le choper? Parce que moi, je crois que tout début, il n'y était pas. Il est arrivé en DLC, je crois. Mais pas avec les premiers DLC, mais avec des petits DLC gratuits. Il y en avait plein sur Steam et Play. Il y a plein de petits ajouts qui sont faits, en fait. Ils ont suivi le jeu assez violemment. What? Aïe aïe. C'était très beau la fin. Genre il a sauté dans mes bras. Il s'est décomposé. À la fin on voyait bien son bassin, ses jambes, son thorax, ses bras, sa tête, tout décomposé. Bon allez, on est presque. Et puis il y a une ambiance pourrie ici là. Ça fait trop peur. Bon, le coffre. J'avais l'impression d'être déjà allé sur une tour comme ça là. Ah, oh, ah, chance de l'infini. Wouhou. Voilà. Voilà. Alors, y a-t-il des points d'interrogation dans le coin? C'est ça qu'on va se poser comme question, vite fait. Essayer d'aller récupérer des trucs qu'on pourrait vendre plus tard. Il y en a un là-bas. Ok. Eh bien, allons-y. De ce pas, c'est à 250 mètres. Je pense que ça va être l'épave qu'on n'a pas encore vue. L'épave où il y avait le mec et le géant. Eh ben, il n'y a rien par ici. On y est presque, attention, v'là du monde. Des hommes. Ok. Tu veux que je garde les lunettes ou tu aimerais les enlever? Non, moi je les aime bien les lunettes. Ok, ça roule. Je demande au cas où. Raccourci, suivre cette quête, chercher le trésor au fond du lac. Ben voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Petite mission, trésor. Hop. Parfait. D'ailleurs, il y en a une autre qui est je sais pas où, donc on va trouver un point de téléport après. Ce serait ouf un truc
une décoction, mec, qui améliore la distance de détection des objets rouges ou jaunes, tu vois. Mais oui, en fait, je pense que c'est un pro. Oh putain, une armure et une épée surtout. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut. Trop bien. Attends, est-ce qu'il y a pas un peu plus de pognon là? Non. Oh, c'est beau cette musique. Waouh, mes yeux. Mon dieu. Du coup, je vais voir cette épée. Intéressant, une grotte avec des spectres. C'est une épée en argent que j'ai trouvée ou pas? Une épée en acier. Bloodhead. Ok. Et donc, Bloodhead, putain, ce fourreau. Waouh, attends, elle est trop stylée, cette épée. Ah merde. What? C'est Nawak! Il y a trop d'arbres là, les gars! Voilà! Bon, alors. Bordel! On se met là. Voilà! Ou pas? Ou pas quoi? Je veux bien voir le fourreau là. Il est trop classe, elle est trop stylée cette épée, bordel. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est le manche est vraiment très cool. Putain, ouais. Ah, mais elle est trop bien. Bon, déjà, ça, moi, c'est les parties importantes. Elle fait donc Irden, coup critique, saignement, expérience. Bon, c'est des trucs assez étalés. Ok, mais on va lui donner pas mal de trucs. Comme par exemple, elle est niveau combien? Du coup, elle, ça tape beaucoup moins fort. Et elle, ça tape moins fort. Ouais. Ouais, mais là, des épées en acier, je commence à en avoir pas mal. Il y avait Étoile du Jour, là, qui était sympa, mais celle-là... Bon, elle avait des chances d'infliger saignement. Donc on va lui filer... Deux saignements, ou alors non, c'est... On va lui filer un dégât. Alors attends, je lui file un dégât. Dans le doute, je vérifie. Voilà, dégât, c'est rose. Voilà, donc non. Du coup, je lui refile un dégât, ou alors je lui file deux saignements. Non, deux saignements. Voilà. Très bien. Attends, et puis quand même. J'avoue que c'est la grande classe. Oh yeah.
Du coup, il nous dit de nous téléporter, merci, pour aller trouver... Ah, mais c'est le village où il y avait des mecs qui avaient été attaqués par le... Bon, alors par contre, épée en argent, épée en argent, épée en argent, épée en acier. Il y a espoir aussi, là, qui commence à être vraiment dépassé. Il y a des épées que j'ai pas envie de jeter, quoi. Je pense que je vais les garder encore un peu, j'y suis presque avant de... Ou alors après, je peux les vendre aussi à des gens que je connais pour les racheter plus tard. Mais c'est un peu risqué. J'ai pas mal de trucs à vendre, là. Ouh! Eh, salut, Boloku! Armure du grand soleil? Salut! Ouah. Attends, armure du grand soleil ou de la brigade impériale? T'as vu du grand soleil? C'est ouf, ce truc, putain. Oh putain, c'est blindé! Oh. What the fuck? What the fuck? Oh, mais c'est qu'elle est putain de classe, cette armure, en fait. Je l'avais jamais vue, figure-toi. J'avais ah, jamais capté. Et tout. C'est trop ouf. Wouah, mon dieu. Putain, le Boloku qui arrive rayonnant, hein. Oh mon dieu. Alors, elle m'a ça. Bon, on va voir un forgeron, là. Ou alors, déjà, on va faire le truc. Ok. Oui, on va faire chasse au trésor. Freya soit louée, niveau 4. Ici. Putain, mais c'est ouf. Et j'ai trop envie de tester des trucs. J'ai trop envie d'arriver à bien rendre le style de cette armure. Je pense qu'avec le griffon, peut-être qu'elle pourrait être bien. Je sais pas jusqu'où on peut aller pour fabriquer le griffon. Bon, on est en objectif chasse au trésor, Boloku, donc remplissage tranquille, et exploration des points d'interrogation qu'il y a autour, beaucoup d'exploration et de chasse au trésor, donc c'est cool. Et c'est très détendu, pas d'histoire, pas de scénario. Vraiment, juste de la narration par le level design et par, voilà, mais très peu de mots en soi. Pour la, je sais pas à quand remonte la dernière fois qu'on a entendu quelqu'un parler, là, mais... Enfin voilà, et c'est trop cool. Et on vient de trouver cette épée en plus, Boulou, donc t'arrives, mais pile à temps, on vient de trouver cette épée, qui a un fourreau, comme tu le vois, supra classe, et enfin là, en épée en acier, enfin ça devient difficile, je veux plus me séparer des épées qu'on a pour la plupart. Il y en a quelques-unes, ouais, il y en a une que j'ai fabriquée, dont en fait j'ai rien à foutre, je lui ai même pas foutu de rune. Mais du coup, je veux un forgeron. Bon, bref, on est à presque 200 mètres d'un petit trésor à récupérer avant d'aller voir un forgeron pour mettre au clair tout ça. On se fait tout beau. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, il faudra veiller à l'épisode, je sais pas trop. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Non, attends. 50. Entre 55 et 60, je dirais. Oh, mais qu'est-ce que ce jeu est beau, mais mon dieu, mais stop! Mais c'est quoi ces couleurs? J'ai jamais vu ça. Pff, j'en peux plus. Boloku, mais... Enfin, moi je comprends pas, quoi. Après, combien j'ai d'heures de jeu, quoi? Combien t'as d'heures de jeu, Boloku? Le mec est venu à Grenade pour ne jouer qu'à The Witcher 3. Non. Entre autres. Mais là, on a dépassé les 100 heures de stream. Des centaines. Et c'est abusé, quoi. La magie opère. La magie opère. Putain, c'est une méga expression pour The Witcher. Genre, opère, opérer un peu. Il y a le délire comme ça, maladie. La magie opère. J'aime bien. Je trouve que ça matche bien avec l'esprit du jeu. Voilà. Oh, une épée! Qui est peut-être stylée! Azza, le grand collectionneur. Non, mais là, par contre, va falloir vous calmer parce que là.
classe. J'adore les épées comme ça, un peu sabre courbe. Putain, mais cette épée! Non mais c'est l'épée la plus classe de toutes, quoi, c'est incroyable! Alors elle, il faut la gâter, putain, il faut que j'aille acheter des... Regardez, on n'y touche pas pour l'instant. Je pense qu'on va lui foutre incinération, elle. C'est obligé. Il faut trop qu'on lui foute incinération, putain. Elle a quoi comme stat dessus? Merde, j'ai pas regardé, pardon. Chance d'incinération, 4%. Boum. Oh là là, en plus avec cette armure, non mais waouh, j'en reviens pas comment la petite chasse au trésor à la con, ça a été putain de rentable en fait. C'est ouf. Faudrait que tu trouves un pantalon un peu en armure, tu vois. Ouais, tout à fait. Non mais encore cette armure, enfin cette épée là. Mais c'est dans les épées en argent qu'on peut faire mieux. Parce que des épées en acier, franchement, on en a des putains de classes, quoi. Moi, j'aime bien ce style avec les gros hauts, là, et les pantalons skinny. Ça les rend discrets. Oh putain, mais regarde ce jeu! Mais j'ai l'impression de... Mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? Franchement, on est tellement récompensé... Oh putain, le chat! On est tellement récompensé par juste ça, quoi. Ça, c'est fantastique quand même, quoi. On a beau aller dans l'histoire, dans le machin, dans le truc. Quand tu fais aller, ouh, YOLO complet! Mais le truc, voilà, opère toujours. Bref, ça grossit le bide, ouais. C'est exact. Du coup, on va voir un forgeron super cool. Avelaine. Avelaine. Sauf que non. Parce que on va aller sur la place du hiérarque juste avant. Mais après, on va faire ça, ouais. Les élus ont affronté Eredin. Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Não vai assim como não vai. Não vem que de dentro do céu não sai. Vai morrer sem mamar. Ninguém o dinheiro de ter. Au Luku, il y a YouTube Music qui est sorti. J'aimerais peut-être qu'on Skype ou qu'on en discute. Voilà. On va parler à quoi? YouTube Music qui est sorti et qui en fait YouTube là devient payant, commence à avoir des services payants. C'est voilà, bon, on verra à terme, mais vous avez pas vu? sur YouTube, vous voyez des... normalement maintenant il y a des onglets offres payantes et tout. Alors moi je sais pas, je suis un gros consommateur de YouTube et franchement c'est intéressant. En fait, ils ont les bonnes offres parce qu'il y a un aspect YouTube gratuit sans pub et tout qui est intéressant. Je me posais la question, est-ce que j'arrête Adblock et je prends un abonnement comme ça? Ça permet de rémunérer quand même les gens parce que là j'ai Adblock et je rémunère pas du coup les gens que j'apprécie. Bref.
Amertume sur 20. Oui, alors, c'est parce que je le pose comme ça. Mais ça mérite d'y prêter attention. Parce qu'il y a YouTube Music, donc, qui permet de faire venir n'importe quelle musique. Enfin, en fait, c'est comme la base de données. C'est exactement comme Deezer et tout, sauf que la base de données, c'est YouTube. Alors, je suis désolé, mais c'est fat, hein. C'est très fat, hein. Et tu peux importer en local. Ouais, bien sûr. Ben, j'ai commencé par ça, surtout, parce que c'est un aspect politique de ouf. Mais néanmoins, moi, j'ai pris... Là, actuellement, je suis en mois d'essai pour YouTube Music, et je pense que je pourrais continuer. Et alors, avec un peu plus, il y a l'offre famille, machin, mais c'est beaucoup de gens, donc je sais pas éventuellement si on est beaucoup intéressés, pourquoi pas, mais... Mais bref, pour les playlists en plus, Aza Music, ça permet de les importer en local comme ça, boum. Et donc c'est très très bien. Enfin, il y a un côté gestion de playlist du coup qui est déjà fait. Et sur le télé, en fait, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour le mobile, par contre, pour la consommation mobile, je trouve. Mm-hmm. Et du coup, franchement, moi j'avais Deezer, j'ai eu un moment Spotify sur mon téléphone, mais maintenant je vais marcher avec ça. Et ça, c'est franchement, niveau musique, moi je demande pas mieux, quoi. Comme ça, je fais tourner les playlists en fonction de... Ça m'utilise pas trop de mémoire. Genre, je sais que je vais faire un voyage, je me dis, bon, bah là, je mets le truc chill, la playlist chill, et voilà. Et ça fait déjà 200 morceaux et quelques, donc c'est quand même pas mal. Quasiment, non, même plus que ça. Non, franchement, YouTube Music, il y a un truc intéressant, et puis c'est que dalle, je crois. Je crois que c'est... Là, après, c'est 3 euros par mois, bon. Je veux dire, si on est capable de payer Netflix... Moi, je suis... Enfin, Netflix, je suis sur un compte... que je ne paye pas. Donc la musique crée une ambiance assez incroyable durant ce marchandage, apparemment haletant. Voilà, concentrons-nous. En fait, la musique me déconcentre sur le jeu, c'est pas bien. Il joue trop bien de la basse, de la contrebasse, ce mec. Et il faut que je respire un coup. Bref, du coup, voilà, on en parlera. Mais YouTube Music, nouveau service. On pouvait tricher assez facilement avant. C'est-à-dire, parce que je connais bien le sujet, tricher par rapport à voir les playlists YouTube. Mais en fait, c'est pas... Enfin, je veux dire, t'es pas... Enfin, c'est obligé pour personne, hein. C'est une offre en plus, c'est pour pas avoir de publicité, et puis tu as Adblock, tu sais, voilà. Mais la question se pose, moi je me pose la question, tu vois, j'ai Adblock, et ben... c'est chiant parce que je rémunère pas les gens que je regarde, que j'apprécie. Mais du coup, ça me pose la question, est-ce que d'utiliser un forfait comme ça, ça va vers les vidéos que je regarde exclusivement et les annonceurs... Enfin... Qui sont les annonceurs touchés, comment c'est réparti, ça, à mon avis, c'est a priori très... Enfin, ça m'étonnerait que ce soit très très intéressant. Et ça va être beaucoup les annonceurs random qui vont être rémunérés comme ça au hasard. À peu près, parce qu'au final c'est tellement le chaos, quoi. Importer les playlists YouTube et ouais, mais les importer en local et tout, tu veux dire, parce que là c'est un truc, c'est comme Deezer, c'est ça que je veux dire. En termes d'utilisation, ça change quand même énormément. C'est que t'as pas de faire passer des fichiers ou quoi. Enfin, tu peux, je veux dire, après c'est peut-être, ça peut te paraître rien, mais en termes d'utilisation, t'as tes playlists comme ça et tu as très peu de mémoire sur ton téléphone, tu les fais tourner et puis tu peux aller du coup explorer, ça te branche vers des trucs, des machins, ça te fait des auto-playlists, t'as des suggestions qui sont faites, tu peux suivre des gens qui font leurs playlists, enfin tu vois, t'as tout l'aspect comme ça. Bon, que je sais pas si après tu vas l'utiliser, mais parce que ça fait réseau, et puis dès que tu rentres dans le côté social du truc, moi perso je décroche, mais
Mais bon, c'est juste que la base, c'est YouTube en fait, c'est tout. Hein. La seule évolution, c'est ça. Et Deezer, c'était intéressant. Spotify aussi. Spotify Plus pour certains aspects. Mais ça va pas assez. Pour moi, c'était pas assez. J'avais pas ce que je voulais. Donc j'ai arrêté. Et j'écoute sur YouTube. Enfin, j'écoute du coup moins de musique en extérieur. Bref. On a tout ça et on peut rien lui vendre. Je vais devoir récupérer de l'argent là-bas. Et... Ouais. Bah, en fait, tu as du gratuit. Hein. Vous avez tout le monde à un mois gratuit. Alors surveillez parce que j'ai eu l'impression que c'était en mode oui, mais à la fin, ça continue donc... Il y a moyen qu'il faille bien surveiller, mais ou peut-être pas, peut-être qu'il le désactive et que voilà, mais je sais plus en fait si j'ai passé la... Je sais plus parce que ça va très vite. Poussière de diamant. Attends, mais mec. Tu sais que je peux avoir les 10 000 là, bientôt. Je peux avoir les 10 000 bientôt. Ouais, bah, je comprends. C'est juste une utilisation après. Oui. Oui, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu as une utilisation qui est différente. Bon, je me suis fait plein de thunes. C'est déjà bien. Attends. Plein, mais pas encore assez. Oui, mais pas encore assez. Alors, est-ce qu'on fait ça, finalement? Parce que ça va faire que je pourrais pas trop fabriquer derrière. Parce que là, on pourrait fabriquer des runes et tout. On pourrait se faire chier, putain. Mais non. Moi, je veux réparer. Je reviens. Ouais. Et là encore, ça l'a pas trop fait, mais il y avait des fois où ça m'a surpris, ça faisait genre ting 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 ting. Oui, Batucada, ça m'évoque quelque chose, mais en tout cas, ça sonne bien, Batucada avec Batucada, Batucada, un truc comme ça, bref. Je sais pas si c'est bien de vendre tout ça, hein, d'ailleurs, parce que je crois que on va m'en demander. Que je devrais en acheter une putain de fortune. Très bien. Salut, mec. Adieu. C'était peut-être pas exactement comme je le faisais. La Batucada. En quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin d'argent. Je souhaiterais contracter un prêt. Bien sûr. Je ne contracte jamais. En quoi puis-je vous aider ? T'as changé tes devises ? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Quoi ? Vous êtes au bon endroit. Je suis en train de le faire. Nous pratiquons. Ah, ok. Putain, 3400 boules, on a tout. Et je t'avais dit que t'avais plein de... What the fuck. Ah mais c'est beaucoup trop, 3000, putain j'avais pas gâté, mais c'est allé super vite. Enfin, peut-être pas, mais je me souviens de la dernière fois où on a changé, alors que d'habitude je m'en souviens pas du tout. Non, là t'avais 1300 devises de... Il y avait un truc que je voulais faire ici quand même, on va en profiter. Mais alors, efficacement. Hein. Putain mais le bruit... La console qui souffre, le martyr. Parce que il y a ça, il y a aussi ça qui
est potentiellement extrêmement stylé. ou surtout, il y a ça. Oui. Le clown, le chevalier clown. Oh non. Ah, ce style infini. Regardez, tous les enfants disent regardez. Oh putain, le merde. Yeah, je suis le chevalier clown Assassin's Creed. Respectez-moi. Ah, un sorceleur. Mais non, je suis un chevalier clown. Laissez-moi tranquille, madame. J'ai une mission à accomplir. Bon, et puis on va aller au summum du style. Quand même. Bon, par contre, cette épée, mais c'est juste infini comment elle est trop classe, quoi. Bien, alors voilà. Comme ils disent, un client satisfait est un client fidèle. Vous pourriez me couper les cheveux. Enfin, si vous ne tremblez pas trop. Alors... Non mais en vrai, il faut... non. En fait, il faut faire ça. Voilà. Adieu. Quelle splendeur, quel élan, mon dieu. Quelle élégance. Non mais comment elle brille beaucoup trop cette putain d'armure, c'est n'importe quoi. Ah non mais c'est fantastique quand même comme style, c'est quand même abusé. Bon, ok, tremblez pauvre citoyen. Je vais même prendre un autre truc en or, enfin un peu doré ici. Vous étiez formidable dans le salut du... Oh putain, il y a une meuf qui m'a dit vous étiez formidable dans le salut du Doppler, qui m'a reconnu dans la pièce de théâtre. non, c'est pas moi, madame. Lol. What? Il y a Siri. Merde, je suis passé à côté de Siri. Faut que je fasse gaffe ici, putain, il y a le scénar principal. What? Voilà. Je suis à bout de force. Ah mon dieu, ce style. Approchez, ne soyez pas timide. Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Sur ordre du hiérarque. Les vins se trouvent à Argent. Ah là là, très bien, du coup, aventurons-nous chez notre pote là-bas, on avait dit, pour fabriquer... Ah non ! Non, 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 pas du tout ! Je me suis trompé, il faut qu'on aille faire le truc des 10 000, du coup, c'est ça ? Ouais.
Bon, bah on va voir, du coup, qu'est-ce que c'est que les améliorations. À mon avis, ce sera des trucs assez spécifiques et on risque d'être un peu en mode « Mouais », mais il faut quand même trouver, enfin, réfléchir un petit peu à l'intérêt que ça... Ouais, tu vois, c'est un peu comme on avait déjà eu, je pense. Après, peut-être que je rêve et que ce sera des trucs de ouf. Mais je pars en mode un peu « Bon, ce sera des trucs de gameplay intéressants. » On verra. Homme du baron. Coucou. Je m'en vais maintenant. Allez, salut. Mec, tu sais qu'il y a j'ai vu un truc de ouf. Il y a un moyen de récupérer... Attends, je vais aller où, moi? Ah oui, cabane du chasseur. Mont Larceau, c'est ça, non? Je crois que ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y a moyen de jouer avec Ciri pendant une des séquences de mémoire et d'aller à Novigrad. Et de... J'ai pas vu s'il y avait un glitch ou pas, mais en tout cas de rentrer dans un endroit où il y a un coffre et tu peux laisser ton épée et tu peux essayer de finir la séquence comme ça, parce que c'est un trigger, on s'en fout de l'épée en fait. Finir la séquence et du coup, t'as l'épée de Ciri qui est dans un coffre et Gérald peut la récupérer, mec. C'est complètement ouf. Et on l'a pas fait, mais du coup, ouais, il y a vraiment l'épée de Ciri. Et je sais pas, j'ai pas étudié le truc, je sais pas si les mecs ont fait exprès et tout, ce qui est fort probable. Mais apparemment, c'est pas ici. Je vais juste aller voir. Quête, du coup, on doit la voir dans les quêtes secondaires, en fait, ce mec. Ah non, peut-être pas. Peut-être que juste, ouais. Et la statuette, toujours triste, putain. Bon, les quêtes secondaires, dans tous les cas, on pourrait en faire des quêtes secondaires bientôt. Ah mais d'ailleurs, il y a que... Ah non, c'est bon. Tranquille. Ben voilà, on va partir là-dessus. Carte du monde. Cabane isolée. Martel. Je pense pas que ce soit là, il y avait le... Moulin. Voilà, c'est ça, c'est là-bas. Ah bah oui, il est là le logo, je suis con, putain. Il y avait le logo de l'enchanteur. Je suis débile. Sachant que ce mec... pourra peut-être nous filer des schémas. Loué soit l'infinie création du monde. Coucou. Je vous apporte de quoi améliorer vos outils. Mille merci, sorcière. Et à quel prix, par contre? Votre générosité vous honore. Votre travail en vaut la peine. Vous n'avez pas chômé, dites donc. Oh, enfin, vu la thune que tu lui apportes, tu pourrais te faire des trucs gratis, quoi. Des artisans de Novigrad ont créé pour moi de nouveaux outils, qui m'ont coûté plusieurs bras et jambes. Mais je peux désormais travailler sans contrainte. Ah. J'ai créé des runes, des glyphes et des schémas qui pourraient peut-être vous intéresser. Jetez donc un œil. Oh là là. Voyons voir. Donc maintenant, il ne vous manque plus rien. Vous voulez dire pour forger de véritables runes de maître? Il y a des bruits de travaux là, désolé. Pour cela, pas de une soucis. Forte somme est encore nécessaire. Quoi? What the fuck? Putain, faut encore payer? Le mec. Mais il se fout pas de notre gueule, le mec. Ah, mais c'est la pompe à fric, quoi. Bon, en tout cas, il peut faire des runes. Stylé. Alors, les nouvelles runes. Alors, il n'y a pas de nouvelles pierres runiques, il n'y a que de nouvelles runes. Donc, résistance au saignement. Regain de vitalité. Réduit la perte de durabilité des objets. Ça, c'est très bien. Résistance élémentaire. Mais attends, perte de durabilité, c'est trop bien, mec. Ça veut dire que t'en prends 3. En plus, c'est inférieur. Du coup, t'en prends 3.
Et ça s'abîme plus jamais. Et voilà, et le truc ne s'abîme plus jamais. C'est ouais, trop mais on s'en bat un peu les couilles, hein. C'est pas parce que ça te coûte de réparer. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Boulou. Résistance élémentaire. Résistance au saignement, toujours en supérieur. Regain de vitalité, donc voilà, il est passé aux outils supérieurs. Enfin, aux outils normaux, moyens. Et il pourra faire ça. Putain, mais... En fait, c'est juste qu'il va pouvoir améliorer ça, quoi, en soi. Tu vois, est-ce que c'est si intéressant? Il fait pas grand-chose de ouf, hein. Je serais presque tenté, tu vois, de revenir en arrière, quoi, de faire une... choper la save d'avant, quoi. Pour regarder ta thune? Ouais. Regarde ce qu'il te propose dans les améliorations de... Ah oui, d'armure. C'est vrai. Artisanat, déjà. Peut-être le que c'est très intéressant. Artisanat, déjà, il est capable de faire au moins ça. Ce qui... Bon, bah, ce qui est bien, du coup, faisons-le. Et pirogue. Ah oui, il y a des nouvelles, hein. Ah oui, avec les raviolis, là. Rune à placer dans dans l'emplacement vide d'une épée. C'est quoi, déjà, l'effet? Je me souviens plus de l'effet. Arbalète. Il peut fabriquer, ok. Il peut fabriquer des trucs mieux déjà, on a augmenté son niveau en tout cas, c'est ça. Je crois. Harpie au niveau 37 qu'on pourra faire. Toutes ces épées là, ok. Et alors attends, parce que, voilà, moi je suis curieux du plastron et tout. Est-ce que tu les as affichés? Et est-ce qu'on l'a surtout le schéma? A priori non. Bon, attends, ça me rend fou. Ah non, c'était pas ça, c'était améliorer l'équipement, ouais. Je souhaite. Du coup, ah, il a des nouveaux trucs, ouais. Du prix. Les ennemis sous l'emprise d'Axi augmentent de 2 secondes la durée du signe à chaque coup qu'ils infligent. Équilibre, toutes les pièces d'armure équipées sont considérées comme des armures intermédiaires. Lorsqu'un piège d'Irden affecte un ennemi, un glyphe d'Irden est placé à cet endroit. C'est ouf ça? Attends. Lorsqu'un piège d'Irden. C'est ouf ça? Ça replace des Irden non-stop du coup? Je sais pas dans quel sens c'est, mais je crois que c'est si un. Je crois que, ouais, pense c'est que ça. Si, c'est, si tu utilises... Irden amélioré, ça fait des zones au sol en fait. À mon avis, si tu fais le signe secondaire d'Irden, ouais. Et que il y a un mec qui se fait toucher, ça active un cercle une d'Irden zone autour de lui. Au sol, ouais. Putain, c'est cool ça. Ça peut en foutre partout, ça peut être cool. Ouais. Au début du combat, vous avez 100% de chance d'obtenir un bouclier de Quen automatique sans puiser dans votre vigueur. Ah, c'est très cool ça aussi. Mais pareil, c'est pour améliorer. Putain, il y a cette épée trop stylée à qui on pourrait peut-être faire des trucs comme ça. Alors, rupture. Augmente la portée de tourbillon de 1,1 mètre et celle de déchirure de 1,9 mètre. Rajeunissement. Chaque coup fatal infligé vous rend 25% de votre vigueur. Ouais, c'est pas fou. Ah ouais. Euphorie. Les coups fatals assénés par votre épée confèrent 0,1 à 0,25 points d'adrénaline. Les bonus conférés par les établis d'armurier n'expirent plus. La nourriture consommée régénère 100% de vitalité en plus, mais tout a un goût de raviole. Mais moi, je pense les trucs des ateliers, il faudrait savoir combien ça te donne de bonus. Oui. Quand votre adrénaline est au maximum, vos points d'adrénaline s'épuisent graduellement jusqu'à atteindre zéro. Pendant ce temps, le regain de vitalité et de vigueur est accéléré et l'intoxication diminue. Putain, c'est compliqué ça. Bah, Boulou, en fait, c'est l'enchanteur dans le DLC Heart of Stone. Il y a un enchanteur, un mec qu'on voyait, à qui on a parlé là, qui est. Ah putain, il y a l'armure du loup. Bref, qui vient de contre-éloigner là, qui a un look un peu arabisant, qui, quand on lui file de l'argent, peut faire des trucs comme ça, et il peut du coup aller encore plus loin a priori derrière. Alors. Bouclier de Quen automatique. L'attaque basique d'Igni touche tous les adversaires dans un rayon de 360 degrés, mais n'applique plus l'effet incinération. Bah ça c'est dommage. Putain mais c'est ouf, ça fait à 360 degrés le Igni.
Ouais, mais l'intérêt d'Igni, c'est quand même les... Bah oui. L'incinération. C'est ça qui est chiant. C'est très nul, en fait. Putain, pourquoi 360 degrés, c'est trop bien. Les ennemis sous l'emprise d'Axi... T'as pas besoin de l'incinérer les ennemis derrière, ouais, ça peut être très cool, mais sinon... Ouais, non, mais non. C'est plutôt moyen. Mais c'est fou, c'est compliqué, quoi, de savoir. Et en fait, lui, il faut qu'on le fasse sur des tenues qui sont super élevées, quoi, qu'on va garder. C'est un enchantement, hein. C'est sur une armure, quoi, sur un truc. Donc moi, je suis assez chaud pour essayer de trouver un enchantement sur elle, la Diable, qui est trop stylée. C'est quoi déchirure et tourbillon ? Peut-être des attaques. Tourbillon, c'est ce qu'on fait là ? Ou alors ? C'est bien, ouais. Le truc de la nourriture consommée régénère 100% de la vitalité. Mais c'est un goût de ravioles, c'est complètement nawak. Non, mais parce que ça oblige d'avoir la bouffe dans le truc, donc j'aime pas. Tu t'es probablement dit, putain, un mec, il faut lui donner 5000, ça coûte la mort. Ouais. Ouais, puis en plus, ça coûte ce prix-là, quoi. C'est pas maintenant, en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas maintenant, c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut qu'on fasse les choses. Au revoir. Le laisser avec cette somme d'argent, et plus tard, on ira au dernier niveau. J'allais reprendre la sauvegarde d'avant, mais plus tard, on ira au dernier niveau. Et on aura des armures de maître, voire de grand maître. Et là, on fera des enchantements cool. Un plaisir, il est de vous revoir. Quand on aura rempli le porte-monnaie à fond. Alors. Qu'apportez-vous ? Ah. Donc. Voilà. Ça, c'est quoi ? Sabre Ophiri. Ok, mec, on se calme. Prenez. Allez en paix dans la. Je veux voir un truc parce qu'il y a une tenue Ophiri. Ok ? Putain. Ah, armure d'écaille Ophiri niveau 39. C'est pas maintenant. Voilà. On peut faire celle de vipère. Putain, on peut faire l'armure de la vipère, mais c'est dans 5 niveaux, quoi. Alors, chat de maître. Griffon. Il nous en manque plein. Mais on peut faire la griffon de maître. Qui, à mon avis, si vous voulez qu'on aille bien avec cette armure là qu'on a actuellement, griffon de maître, c'est peut-être le bon plan. Ouais, si on veut faire le chevalier clown parfait, c'est ça. Bon, quête, on va chercher si jamais on peut du griffon, partie 3. Épée en argent, épée en acier, amélioration d'armure. Téléportation pour aller je ne sais où. Si tu fais un enchantement et que tu regrettes, tu as moyen de faire machine arrière. Bonne question, je ne sais pas, vu qu'on en a posé aucun, je n'ai pas vu, mais peut-être qu'il y avait, ouais, modifié, ou peut-être pas. Je ne sais pas, j'avais aucune idée, je n'en sais rien. Mais c'est un peu compliqué ce trash chiffrail et tout, mais néanmoins, j'aimerais bien qu'on tente l'expérience, comme on a tout tenté dans ce jeu-là. Je pourrais pas dire que je connais pas un truc. Plus tard, on tentera. C'est à Skellige. Donc retour à Skellige. On va récupérer le truc du griffon, quitte à ce que l'épisode dure un tout petit peu. Et puis passer au suivant. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et désigné.
Bon. Alors. C'est là-bas. On est sur le cimetière des baleines. Je rappelle. Une embuscade. Non. Il y a un truc que je n'ai pas fait du coup, c'est acheter des runes cool au mec. J'avais dit incinération, mais au moins j'en ai fabriqué, ce qui est déjà bien. Ah, je peux foutre dégâts pour qu'elle soit vraiment balèze. Elle est balèze à quel point? Ah oui, ah oui, ah d'accord, ah oui, ah non mais waouh, ah oui non mais en fait cette épée en acier elle est ultra ultra balèze. Ça c'est l'épée mais qui bute les mecs en un coup. Je vais foutre les dégâts supérieurs du coup. Voilà. Et gain en adrénaline supérieure. Et j'aimerais un truc d'incinération supérieure. Voyons vite fait le look que ça lui donne là. Ah non, je reste pas avec ça. Bon, du coup. Incinération. On rajoute 3%, ça fait qu'on est à 7% d'incinération. Et là, on a le style. Ok. Du coup, ici, comment ça se passe? Ok. Tac tac tac. Mais toute la tribu des pirates. Ah
C'est un côté, je trouve, presque steampunk dans le délire du clown en épée, en armure en or qui vient niquer les mecs sur une plage. Il y a un putain de contraste de... Enfin, je sais pas, genre un espèce de tueur à gage trop bizarre. Là. Ah. Le symbole. Devrais jeter un œil aux alentours. Oui. C'est là-haut. Forcément là-haut. Allez, approche. Bon. Pas là ? Putain de con. Voilà. Ok. C'est bon. Du coup, épée en argent, tout ça, on s'en fout. On fait école du griffon partie 4. Ah non, il y a épée. En fait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Attends, non, il n'y a pas amélioré aussi. Lol. Pas de one-up. École de l'ours. École du griffon, partie 3. Bon, bah, j'ai peut-être ce qu'il me faut en fait. Mais j'ai l'impression... Ouais, j'ai supérieur, mais je crois que j'ai pas amélioré partout. Attends, bah je vais regarder maintenant. Alchimie... Non, voilà. J'ai supérieur, mais j'ai pas amélioré. Merde. Putain. Bon. Allez. 7.
D'accord. Alors, on va se rendre à Oxenfurt. À l'ouest d'Oxenfurt, au fort de l'Aigle Blanc. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la loge. Moi j'ai rien fait. Putain, mais qu'il fait chaud! D'accord. À poil, Lazare! Quelle météo parfaite pour cette musique. Tretogor, salut. Comment va? C'est lui qui peint et c'est moi qui ai fait la peinture ici pour lui. C'est Gérald qui a dessiné l'aigle blanc de la Téméria. On a acheté de la peinture pour ça et tout. Bref. Alors, pardonnez-moi. Hop. Ok, c'est tout. Voilà. Gantelet. Alors, on va voir ce qu'on a. Alors, du coup, les bottes. De griffon. Le griffon supérieur. On n'a pas les bottes de griffon améliorées. Direction bottes de griffon améliorées. Je peux aller à Aubreuil. C'est où déjà Aubreuil? Merde.
Et non, mais on y est déjà allé. Le mec a pas les cartes là. Elles sont où les bottes? Partie 3. Supérieure. Je comprends pas pourquoi on peut pas les avoir là. Les armures de gantelet. D'accord, en fait, mais c'est trop bizarre ces histoires de parties là. Partie 1, partie 2. Lisez ensuite ce document depuis votre inventaire pour accéder, pour activer la quête. Oui. Ah, truc amélioré. Pantalon amélioré, ben voilà, c'est la partie 1, mais what the fuck? Ça n'a aucun sens. Au nord de l'auberge de la croisée des chemins, éliminez le Fouenard. Auberge des quatre chemins. Elle est où? Ah oui, de la croisée des chemins. C'est loin. Bon, bah on va récupérer un le plus rapidement possible le stuff du griffon. Oh là, il y a un coffre là. Déjà pris. Ils sont pas notés sur ta carte les coffres-t-il ? Non. Ouais. Non, parce que j'aurais dû aller récupérer la... C'est quoi alors le point qui est marqué ? C'est là-bas. J'ai regardé sur internet. Ah mais le, tu veux dire le jaune là, bah c'est épais en acier mais je m'en fous. Enfin épais en acier, en argent. J'ai un bug cerveau. T'as fait une coupure d'épisode ou pas? Non. Il est 21h25. Ouais. Mais c'est bon, c'est pas grave. On a un peu de marge. Ok. Et voilà. C'est juste que thématiquement on soit fini aussi. Ah. Salut. Bah je crois que c'est bon, on est violent. Ah, c'est bon, ça va être là. Parfaite ambiance, là. Oh.
Un fenard. Salut Philou. Coucou Philou. Allez, on est bon, ça va aller bien très joué. Vite. Très propre. Voilà, donc, la suite. On a bot, on regarde. Inventaire, non. Alchimie. Artisanat. Bot, c'est bon, a priori je vérifie. Bot du griffon, tatata, amélioré supérieur. Ok. Gantelet. Griffon de maître supérieur, pas amélioré. Ok. Alors, je vais marquer l'emplacement et on va essayer de s'y rendre. C'est bien, on pourrait faire. Ah, bah attends, super. Je vais faire ça. En fait, je vais faire ça pour aller me déplacer là. Voilà. Attends, je l'ai mis là ou pas? Y'a pas de soucis pour le coup. Voilà. Oui, d'accord, très bien. Pas de soucis. Pas de problème. Et après, nous, l'emplacement, c'est là, si je ne m'abuse. Voilà. Donc c'est bien, il y aura pas mal de points d'interrogation, mais par contre, on sera loin. Ok, bon, je vais juste me rendre à cheval vers là. Il y a deux points d'interrogation sur la route. Voyons voir cela. Passer à côté là, non? Oula. Les pauvres mecs, quoi. Ok, on goûte à la surbalaisitude. J'ai rêvé où il y avait une épée là qui était rongée. Voilà. Bon. Olé. Du coup, nous allons là-bas vers un point de téléport. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Non, mais ces trucs, on s'en fout. Perfect.
What? C'est quoi ce... Olé, mais c'est trop bizarre ce saut, bordel. Avertissement, supplication. Je vais sorceleur. Voilà. Du coup... On a dit qu'on allait là. Au moins ici, je pourrais prendre le cheval. Hop, je reviens. Ou alors... Je me dis que je ferais bien la pause maintenant. Donc en fait, en mode putain d'escroc, voilà. On fait la pause ici, ça change que dalle, les deux épisodes sont très corrélés, de toute manière on va continuer un peu sur le même délire. Du coup voilà, hasta luego, je reste sur le stream, et dans 7 minutes on est reparti. A tout. Ça roule, à bientôt. Se merece.